Ils étaient 298 élèves maîtres, dont 150 filles et 148 garçons de la 45e promotion sortante du Centre d'animation pédagogique CAFOP de Gagnoa, à célébrer leur sortie sous le regard du parrain de promotion, le deuxième vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Tifi Buizé Lambert, chef du village de Tiegele dans le département de Gagnoa. C'est dans une ambiance de fête marquée par des ballets, des danses et des chants exécutés par les Cafopiens que la 45e promotion a reçu des mains du parrain leur baptême. Comme diraient les saintes écritures, vous êtes désormais le sel et la lumière de notre communauté nationale. Chaque enfant à vous confier, parce que entouré de votre attention scientifique et pédagogique, doit pouvoir vous ressembler et devenir à son tour le sel et la lumière de notre pays. À vous, chers enfants, la vie ne fait que commencer, et la vie, elle est courage, elle est humilité, elle est espoir. Mais il n'y a pas de succès sans effort. C'est pourquoi il nous exhorte à l'effort, au travail bien fait et à l'amour que vous y consacrez. La veille de l'événement, tout le personnel de l'école, enseignants, élèves et administratifs, ont célébré le départ à la retraite du directeur du CAFOP, Savané Moriféré, à l'initiative de l'un des fils de Gagnoa, Kamate Isiaka. Bon vent à la 45e promotion du CAFOP de Gagnoa, auréolé de l'illustre nom Buizé Lambert, et qui entre dans le monde du travail au moment où moi j'en sors pour un repos mérité après plus de 42 ans de service. Je vous remercie. Les élèves maîtres de la 45e promotion sortante ont passé le flambeau à la 46e promotion qui compte 298 élèves maîtres, dont 187 garçons et 111 filles.